Exactement. Chers amis, auditrices et auditeurs de la Voix Mariale, loué soit Jésus-Christ. Heureux sommes-nous ce matin de vous savoir nombreux au bout des ondes de la Voix Mariale. Nous sommes ce matin au grand séminaire Saint-Jean-Paul II de Lomé pour vivre avec vous l'Eucharistie de ce 29e dimanche du temps ordinaire année A. Ce 22 octobre, comme vous le savez si bien déjà, est aussi la fête du Saint Jean-Paul II, patron de notre patrie le Togo, mais encore la fête patronale de notre maison de formation. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir fait don à son Église du Saint Jean-Paul II. Cette Eucharistie sera présidée par le révérend Père Étienne Nibilé, recteur du Dieu Institut, et concélébrée par ses confrères formateurs. Elle sera animée par toute la communauté des séminaristes. Au cours de cette même Eucharistie, nous allons aussi gratifier Dieu pour la vie des bienfaiteurs de notre maison de formation. Eux qui, par leur magnificence, ne cessent de venir en aide aux futurs héros de la bonne nouvelle. Et par pure grâce, nous célébrons aussi en ce dimanche le dimanche des missions. Eu égard à tous ces événements célébrés en ce jour, nous sommes conviés d'une manière instante, chers chrétiens, à soutenir l'œuvre missionnaire par nos prières et surtout par nos dons. L'occasion nous est encore faite, chers amis, à épauler notre maison de formation et aussi la vôtre. Implorons le secours de Dieu Tout-Puissant par l'entremise de Saint Jean-Paul II pour notre cher pays le Togo, afin qu'il soit pour tous ses habitants un havre de paix où l'unité et la sainte nuit seront le mot d'ordre. Prions aussi pour nos pères évêques en visite à Dilimina Apostolorum à Rome. Demandons enfin au Seigneur de faire de nous, chacun à son niveau, des missionnaires convaincus et convaincants pour apporter à notre monde la paix dont il a besoin. Pour les lectures de ce jour, en première lecture, nous aurons la lecture du livre d'Isaïe, chapitre 45, à ses versets 1 à 6. Nous chanterons avec le psalmiste le psaume 45 avec le refrain « Rendez au Seigneur la gloire et la puissance ». En deuxième lecture, nous aurons la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 1, à ses versets 1 à 5. L'évangile est celui de Saint Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. « Nous vivons ville l'Otowo, Radio Maria Todinolawo, miel wezodonami, eye miegale » Mia galakwe dana mi le mia foto di nonota ndia mia le fada nusrope gan le khadrana we sidi o dan korobe sidi amokokwe Johannes Paul Ovelia bona eye mia nyebe egbe aye nye amokokwe sia fe azan eye amokokwe sia ye ganye mia fe togo duko jikpola ble mia fe fada nusrope ya jikpola eye le egbe pon keke adia mia le ekarisia Mordogo Fifilai, Ecarisia Massimiada, Quenamau, Reponunio Catanta, Eye, Le Carisia Hamia, Yada Quenamau, de Amosio Catan, Tunamovo, Vodi, Quenada, Posianuti, Eye, Egbeaye Gagner, Cosira, Nadogbede, Ke Miela Quedanami, de Niapo, Putricucu de Siareta, Alessi, Miedua Quedada, Amosio Catan, Le Maupo Abolama. Le Maudolaon,
eye ale si miega dona gbe da de miaƒe fada nusrɔ̃ƒe viwo ta bena mawu ŋutɔ wɔ akpe ɖe wo ŋuti ne woanye mawu nɔlawo na míaƒe togo dukɔ la mawu nɔla siwo akpe ɖe mía ŋuti le míaƒe kristotɔ ƒe mɔzɔzɔ la me eye ne va me alea egbazi mía dzi be míato mɔ vovovowo dzi akpe ɖe míaƒe fada nusrɔ̃ƒe gã sia ŋuti elabena kuxi vovovowo le eŋuti eye míawo wòkpɔ ŋkume na be míakpe ɖe mía viwo ŋuti eye esia ta míegale mia biam be miaʋu miaƒe dziwo eye miakpe ɖe mía ŋuti be mawu ƒe nyakaka ne wòakpɔ me vava le míaƒe togo dukɔa me eye egbe la míe le kaɖi sia sia me míegadzi be míado gbe ɖa ɖe míatɔ episkɔpowo si le roma anyigba dzi ɣeyiɣi sia me le woƒe mɔzɔzɔ si dzi woda ŋkɔlo be visite adlimina apostolorum yi ke nana bena wodo ago kple fofo kɔkɔe eye wogade aŋgble tso na hame vovovo si le dukɔwo katã me eye ɣeyiɣi sia mea míatɔ episkɔpowo le roma anyigba dzi eye míatsɔ wo de míaƒe gbedodoɖa me bena woƒe mɔzɔzɔ sia wòava me na wo nyuie ke misa si menɔ ge mí le fifi la ya fada etienne ndibide yi ke nye fada si nye fada gã alo fada nusrɔ̃ƒe gã sia dzikpɔla eye etɔ kpɔtɔe fada siwo fiana nu le afi sia woanɔ eŋuti ke ame siwo akpɔ hadzidzi gbɔ na mía woawoe nye fada nusrɔ̃ƒe viwo ƒe hadziha si dzi woda ŋkɔ ɖo be skola kantoru me ke nuxexlẽ si wo akplɔ mí le misa sia mea nuxexlẽ gbãtɔ míakpɔe le Isaya ƒe agbalẽ me tabla nevɔ atɔ̃ xexlẽme gbãtɔ va yi se ɖe adelia dzi eye míadzi ha kple psalomɔ blaasieke vɔ atɔ̃ si ɖoɖo ŋutie nye be mida akpe na mawu ɖe eƒe ganyenye kple eƒe ŋusẽ ta ke nuxexlẽ velia míakpɔe le agbalẽ si paulo yayratɔ ŋlɔ ɖo tesalonikatɔwo la me tagbãtɔ xexlẽme gbãtɔ va yi se ɖe atɔ̃lia dzi eye evangelia míakpɔe le mateo ƒe agbalẽ me xexlẽme blave vɔ velia kpukpui wuiatɔ̃ va yi se ɖe blave vɔ ɖekɛlia dzi ke míele míakpem be míawɔ to eye míatsɔ gbe ɖeka kple dzi ɖeka anɔ misa sia me ade akpe na mawu ɖe eƒe nu nyui siwo katã wòle wɔwɔ na mí la ta ke míaƒe fada nusrɔ̃ƒe gã sia ele xedzra na woe eye wòta ɖe xedzra na woe ƒe anɔƒea ŋuti eye wogale ekpɔ si me fada papa teƒe nɔla le togo le eye medzidzi le radio maria hã gbɔ o Écoutons les intentions de la messe. 18e jour de trentaine de messe pour le repos en Dieu des défunts des familles Nyansounou, Toklo, Dokonyon, Dovonyon, Kakbo, Djevou et pour toutes les âmes du purgatoire, demandées par une chrétienne. Messe aux intentions des paroissiens de la paroisse Saint-Sulpice de Paris. 5e jour de neuvaine de messe d'action de grâce au Seigneur pour l'avoir protégée contre des gens qui lui en veulent et cherchent à la détruire et pour lui avoir permis de les découvrir. Elle implore pour eux la grâce de la conversion, demandée par une chrétienne. Les bénis d'octobre rendent grâce à Dieu pour cette année 2023 et confient tous ses membres, surtout ceux et celles qui fêtent leur anniversaire en ce jour,
leurs familles respectives, leurs projets et la réussite des projets de Radio Maria Togo dans le monde. Loué soit Jésus-Christ. Révérend père formateur, chers frères séminaristes, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Togo, loué soit Jésus-Christ. Les textes soumis à notre méditation en ce 29e dimanche du temps ordinaire à l'année liturgique A nous invitent à donner la primauté au service de Dieu, tout en gardant de bonnes relations avec le pouvoir temporel. Ainsi, dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 45, versets 1, 4 à 6, le Seigneur rappelle à travers le prophète qu'il est au-dessus de tout et demande qu'on le reconnaisse comme le seul et unique Seigneur. Le psalmiste, dans cette même optique, nous invite à chanter la gloire du Seigneur en reconnaissance de ce qu'il est pour nous. Nous chanterons en ces termes. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Psaume 95. Saint Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 5b, rends grâce à Dieu pour la détermination des Thessaloniciens à être au service du Seigneur par toute leur vie. Dans l'Évangile tiré de Saint Matthieu, chapitre 25-22, versets 15 à 21, Jésus, en vrai pédagogue, définit clairement sa position face au pouvoir temporel. Il s'agit pour lui de donner la primauté au service de Dieu tout en respectant le pouvoir temporel. Puisse la célébration eucharistique de ce jour nous aider à brûler d'un zèle ardent pour le service du Seigneur tout en gardant de bonnes relations avec l'autorité civile. Bonne célébration à tous et à chacun.
sans fin. Thank you.
Que Dieu puisse en face
Oti kokwe kokwe na o. Oti kokwe na ma. Tu as appelé le pape Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Fort de son enseignement, accorde-nous d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique rédempteur de l'homme. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 45, versets 1, 4 à 6. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux bâtons, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas. Pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur.
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Chapitre 1, du verset 1 à 5. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la gloire et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Thank you.
des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Chapitre 22, versets 15 à 22. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons. Tu es toujours vrai. Et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit: hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit: cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent: de César. Alors, il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Verbum Domini. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu
ce qui est à Dieu. Révérend Père provincial, chers confrères, chers séminaristes, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, auditeurs et auditrices, que je viens de citer, on la retrouve dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. En effet, dans ces trois évangiles, il est démontré clairement que la question posée à Jésus et qui a suscité cette réponse lui était adressé comme un piège. Essayons de comprendre cet épisode pour découvrir les raisons profondes qui ont suscité cette réponse de Jésus. D'abord, dans leur question, les pharisiens caractérisent Jésus comme quelqu'un de fidèle uniquement à Dieu, qui n'a peur de personne et ne s'engage pas dans une partisanerie de convenance. Ils reconnaissent que Jésus est conforme à la loi et aux prophètes. Pour nous, cette attitude de Jésus est très importante, même si nous savons que ceux qui l'ont décrite préparaient leur ruse. Deuxièmement, les adversaires de Jésus pose une question juridique. Est-il permis, oui ou non? César a-t-il le pouvoir légitime d'exiger un impôt, une taxe? Avons-nous l'autorisation de Dieu pour payer à César? Troisièmement, la taxe à payer à César était un impôt particulier qui était basé sur le recensement de la population et exigeait un montant fixe à payer pour chaque personne, y compris les femmes et les esclaves, et qui, selon la loi, devait être payé en monnaie romaine. Le piège de la question est donc facile à comprendre. Si Jésus avait dit non, il aurait des ennuis avec les autorités romaines pour avoir encouragé l'évasion fiscale et la rébellion contre Rome. Si Jésus avait dit oui, il aurait certainement perdu le soutien du peuple qui voyait en lui le Messie qui l'aurait libéré de l'occupation romaine. Dans les deux cas, les pharisiens et les hérodiens aurait gagné. Apparemment, Jésus n'avait aucune possibilité de les échapper. Étant donné que cet impôt particulier ne pouvait être payé qu'avec de l'argent romain, Jésus demande qu'on lui montre cette pièce particulière, la pièce d'hommage à César, qui portait non seulement son image, mais aussi une inscription qui disait en abrégé Tibère César Auguste, fils du Dieu Auguste. Et sur l'autre face, c'était écrit « Souverain pontife ». Ainsi, lorsque Jésus a posé la question de savoir de qui est l'image sur la pièce de monnaie de l'impôt, la seule réponse que ses adversaires pouvaient lui donner était « César ». Non seulement la pièce exigeait évidemment cette réponse, mais aussi parce que cette monnaie disait tout de la domination totale que l'empereur maintenait sur la vie politique et économique du peuple. Car, comme nous le savons, battre de la monnaie est un symbole de pouvoir. L'acceptation de cette monnaie comme monnaie commune signifie la soumission du peuple à ce pouvoir. Conscient de cette évidence, Jésus leur a porté le coup fatal inattendu.
Rendez donc à César ce qui est à César. Ici, le verbe rendre est important dans la réponse de Jésus. Ses opposants avaient mal formulé la question. Est-il permis, oui ou non, de payer? Le mot est différent. Jésus ne dit pas payer, mais rendre. C'est un terme utilisé pour payer ce qui est dû à quelqu'un ou ce qui lui appartient depuis le début. La pièce de monnaie elle-même se présente comme étant la propriété privée de César. Mais Jésus souligne aussi quelque chose de très important, à savoir rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus implique un argument clair. Si César a le pouvoir d'exiger un paiement, combien plus de pouvoir Dieu a-t-il? En effet, Dieu est celui qui a placé sa propre image en l'homme. Ou plutôt, il a créé l'être humain à sa propre image et ressemblance. La leçon est que tous les hommes portent l'image de Dieu et son inscription. Nous sommes tous issus de la monnaie de Dieu. Nous appartenons tous entièrement à Dieu. Tous les hommes doivent rendre à Dieu les choses qui sont à Dieu. Tous, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, le peuple et César lui-même. César a la même obligation de se soumettre à Dieu, de se mettre à genoux et de se soumettre à Dieu, l'adorer, que n'importe qui d'autre. Il a la même obligation d'aimer son prochain et d'obéir à la loi de Dieu que n'importe qui d'autre. César n'est ni un dieu ni un grand prêtre. La première lecture nous l'a dit. Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. En fait, César a une plus grande obligation d'obéir à Dieu, parce que dans sa fonction publique, son autorité sur les hommes vient de Dieu. Le pape François reprend cette idée lorsqu'il dit « La référence à l'image de César gravée sur la pièce de monnaie dit qu'il est juste de se sentir pleinement citoyen avec droits et devoirs de l'État. Mais symboliquement, cela nous fait penser à l'autre image qui est imprimée en tout homme, l'image de Dieu. Il est le Seigneur de tout. Et nous, qui avons été créés à son image, lui appartenons avant tout. Voilà pourquoi nous devons aller à la source de la parole de Dieu pour comprendre combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu. C'est justement ce à quoi nous invite le pape François. En cette journée mondiale de prière pour la mission, dans son traditionnel message, lorsqu'il écrit de nous laisser embraser par la parole de Dieu à l'instar des disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? En effet, comme l'affirmait saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Si le Seigneur ne nous y introduit pas, il est impossible de comprendre en profondeur l'Écriture sainte. C'est pourquoi la connaissance de l'Écriture est importante pour la vie du chrétien et plus encore pour l'annonce du Christ et de son Évangile. À ce propos, le Saint-Pape Jean-Paul II, notre Saint-Patron, disait en 1979, tout au début de son pontificat, à des séminaristes. Il dit, « La formation intellectuelle du prêtre, si importante et vitale à l'époque que nous vivons, embrase un grand nombre de sciences humaines, aussi bien que les différentes sciences sacrées. La priorité absolue revient aujourd'hui dans les séminaires à l'enseignement de la parole de Dieu dans toute sa pureté et intégrité, avec toutes ses exigences
et dans toute sa force. C'est ce qu'a clairement affirmé mon prédécesseur Paul VI, quand il a assuré que les Écritures sacrées ont une source perpétuelle, sont une source perpétuelle de vie spirituelle, le moyen capital pour transmettre la doctrine chrétienne et enfin l'essence de toute la théologie. C'est pourquoi, si vous, les séminaristes de cette génération, devez être préparés de manière judicieuse à recevoir l'héritage et à relever le défi du Concile Vatican II, il importe que vous soyez parfaitement formés à la parole de Dieu. Le pape François disait, et je l'ai cité, « Nous sommes pleinement citoyens ». Voilà pourquoi nous avons le devoir de porter notre cher pays, le Togo, en ayant le sens du civisme, un bon esprit civique, une conscience du bien commun, un sens de responsabilité et du travail bien fait, et un patriotisme sain. Il nous faut aimer notre pays et faire notre devoir de citoyen pour le bien de tous. Que Saint Jean-Paul II intercède pour notre grand séminaire et pour notre pays, le Togo. Amen. Ensemble, professons notre foi. Amen.
Du monde, on demande des missionnaires. Qu'aujourd'hui monte de notre assemblée une fervente prière pour que tous les peuples, toutes les races, toutes les classes sociales soient évangélisées.